Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Coach Victor et on se retrouve ensemble pour la 69e séance de Sweat at Home. Si c'est votre première séance ce soir, on va faire du cross-training. Et le cross-training, c'est quoi? C'est une méthode de préparation physique générale où on utilise tout notre corps pour faire plein de mouvements différents. En faisant du cross-training, vous serez à la fois plus fort mais aussi plus souple, plus endurant mais aussi plus solide. Bref, une meilleure version de vous-même. La séance va se passer ainsi. On va d'abord avoir de la mobilité, environ 5 minutes, pour ouvrir nos articulations et se préparer à l'effort. Ensuite, on aura un échauffement d'environ 15 minutes, un renforcement de 7 minutes ce soir, et un cœur de séance, le moment intense, qui durera 12 minutes, 13 minutes ce soir. Bonsoir Alexandre, bonsoir Paul, et bonsoir à toutes les personnes qui suivent cette séance en direct. Bonsoir Laetitia, c'est un plaisir de vous retrouver. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé sur une séance en live et donc je suis ravi de la partager avec vous. Bonsoir Max. Les amis, ce soir, au moment où j'enregistre ce live, il fait particulièrement chaud. Donc, je vous invite, si la température est élevée, à avoir une bouteille d'eau ou encore mieux une gourde à proximité. Gardez-la proche de votre tapis et dès que vous le sentez, vous buvez une petite gorgée juste pour humecter la bouche. Et vous continuez. C'est ce que je vais faire et c'est vraiment ce que je vous recommande. À part cette petite bouteille d'eau, vous aurez besoin d'un espace au sol. Donc préparez un espace dans lequel vous pouvez bouger en toute sécurité. On va venir pousser les meubles, on va venir sécuriser l'espace pour pouvoir bouger avec intensité sans venir taper du matériel et éventuellement se faire mal. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. Si vous avez votre bouteille d'eau, si vous avez votre tapis en place, c'est parti, on va pouvoir commencer cette séance 69. Donc on va commencer par nos 5 minutes de mobilité, puis on aura l'échauffement. Ensuite, je viendrai vous présenter la séance au tableau et on partira sur le renforcement et l'entraînement du jour. Allez, sans plus attendre, séance 69, Sweat at Home, c'est parti. Alors, on va venir se mettre en fente, le genou avant à 90 degrés et la jambe arrière, on va simplement venir l'envoyer au maximum vers l'arrière en gardant le genou au sol et les pieds pointes. Lorsqu'on a le genou à 90, très bien, on va tendre les bras vers le ciel et appuyer le bassin vers l'avant et vers le sol. Vers l'avant et vers le sol. On tend les bras et on tient 30 secondes. C'est parti. Ça fait déjà 10 secondes. On tient. Vingt secondes. Allez, encore. Trois, deux, un. On relâche tout doucement. Et on change de côté. La jambe avant, 90 degrés. La jambe arrière qu'on vient tendre. Pied pointe à l'arrière, genou au sol. On appuie le bassin dans le sol. On tend les bras vers le ciel. 30 secondes, c'est parti. Allez, encore 10 secondes. Et 3, 2, 1. On relâche tout doucement. On va venir se mettre à quatre pattes. Les épaules au-dessus des poignets. Les fessiers au-dessus des genoux. Le dos est droit. On va appeler cette position la position neutre. Mon dos est droit, mon regard est entre les deux mains. Le regard, à nouveau, entre les deux mains. De cette position, je vais venir creuser le dos, accentuer la courbure lombaire et regarder vers le haut. Puis je repasse dos neutre et je viens faire la tortue. J'arrondis le dos au maximum. Le regard vers les genoux. Je repasse dos neutre. Je creuse à nouveau.
On va continuer ces mouvements creusés, neutres, ronds pendant environ 1 minute. Ça va prendre un petit peu de temps, mais ça vaut le coup. C'est parti. On prend son temps, on cherche l'amplitude plutôt que la vitesse d'exécution. Allez, on a fait la moitié. Encore 10 secondes. Et 3, 2, 1. On relâche tout doucement. Et pour notre dernière position de mobilité ce soir, on va venir se mettre en fond de squat. Donc, on envoie les fessiers vers l'arrière, on déverrouille les genoux, on descend le dos droit, regard vers l'avant, et on tient cette position. Allez, on descend avec moi. Dos droit, regard vers l'avant. On essaye d'avoir les fessiers sous les genoux, et on tient pendant 25 secondes. Allez les amis, vous pouvez le faire, on tient. Encore 10 secondes. Et 3, 2, 1. Et on remonte. Super. Ça conclut notre mobilité pour ce soir. On va maintenant commencer l'échauffement. Donc, en échauffement ce soir, on va faire 3 mouvements. On va commencer par du squat, puis on aura des sit-ups et on fera un échauffement sur les burpees. Donc, on commence tout de suite, on prend son écartement de squat, un petit peu plus large que le bassin, et on va venir faire 10 squats lents et contrôlés. Ce que j'appelle lent et contrôlé, c'est environ 2 secondes pour descendre, 2 secondes pour remonter. J'envoie les fessiers vers l'arrière. 1, 2, je remonte. 1, 2. On va faire ça 10 fois. C'est parti. Allez, on squatte. Lent et contrôlé. Et 1. 2. 3. 4. 5. On a fait la moitié. 6. Allez, le dos bien droit, le regard vers l'avant. 7. 8. 9. Encore 1. Et 10. Super. On va maintenant venir se mettre à l'avant de notre tapis, coller les deux pieds. Vraiment les deux pieds collés. Puis dès qu'ils sont collés, on les garde comme s'il y avait de la super glue entre nos deux pieds. Et on va venir les rapprocher le plus possible de notre entrejambe. Puis on enroule le dos, on l'envoie tête au sol, les bras loin derrière. Et on remonte d'un mouvement brusque jusqu'à taper les deux mains devant. Ça s'appelle un sit-up. On va pareil en faire 10 pour l'instant, lent et contrôlé. Lent et contrôlé sur la descente. Naturellement, pour remonter, il faut mettre une petite impulsion. Donc ça, c'est normal. Mais on y va. C'est parti. Et 1. 2.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et le dernier. Super. On va se relever et on va aller à l'autre bout de notre tapis, de telle manière à avoir tout notre tapis devant nous. On va se grandir, coller les deux pieds, tendre les deux jambes. De là, flexion, enfin charnière au niveau du buste. On garde les jambes le plus tendues possible. On descend le dos. On descend le buste. Les bras vers le sol et on va venir tout doucement dérouler son corps au sol jusqu'à arriver en planche bras tendu. Donc planche bras tendu, j'ai un alignement entre les talons, les fessiers et les épaules. Puis je remonte en gardant les jambes le plus tendues possible. Ça fait 1, on va aller jusqu'à 5. C'est parti. Et 2. Et 3. Allez, 4. 5. Super, on va se retourner au centre de notre tapis et on va à nouveau faire 10 squats, cette fois-ci avec un tempo normal. Donc tempo normal, je descends, je contrôle, je remonte. On oublie la notion de tempo lent, juste votre squat naturel. On en fait 10, c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, allez les amis, 8, 9, encore un, 10. Super, on va devant notre tapis, on colle à nouveau les deux pieds, on rapproche les deux pieds collés de l'entrejambe et on va venir faire 10 sit-ups, pareil, votre rythme naturel. C'est parti, et un sit-up. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on se relève. On va au bout de notre tapis. Et cette fois-ci, on va venir faire 5 false burpees. Donc, en partant de notre station debout, on va arriver en planche bras tendu. Pour ce faire, vous pouvez, comme je viens de le faire, envoyer une jambe en arrière, mettre une main au sol, puis l'autre main au sol et l'autre jambe en arrière. Ou vous pouvez aussi envoyer les deux jambes en arrière pour arriver en planche bras tendu et remonter les deux jambes en arrière. C'est libre, vous pouvez faire soit l'un après l'autre, soit les deux jambes en même temps. On en fait 5, je vais alterner les deux pour que vous voyez un petit peu les différences. C'est parti, false burpee et 1, 2, 3, 4, 5. Super les amis. On a à peu près la moitié de notre échauffement. On va refaire un troisième tour de ce qu'on vient de faire. Et puis ensuite, je vous montrerai des variations de chaque atelier pour ce soir. Donc, on prend notre écartement de squat.
Et cette fois-ci, au niveau du rythme, j'aimerais que ce soit un sprint. J'aimerais qu'on mette de l'intensité, j'aimerais qu'on mette de la vitesse, j'aimerais qu'on se donne. Donc c'est pas normal, c'est pas lent, c'est vraiment sprinté. Allez, on se prépare, on est parti pour 10 squats. Dans 3, 2, 1, et on met de la vitesse. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, 8, 9, 10. Il reste quelques secondes pour terminer. Bravo, c'est bien. Même chose pour les sit-ups, on se met en place et on va mettre de la vitesse. On colle les deux pieds, on rapproche l'entrejambe, les deux mains devant. Allez, 10 sit-ups, sprint. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Eh, bravo. Donc, on va maintenant faire 5 false burpees rapides. Quelle que soit la technique que vous avez faite, je vous demande simplement de mettre un peu plus de rythme. On se met en place et 3, 2, 1, 5 false burpees. Ok, super tout le monde. On va maintenant voir des variations pour rendre chaque mouvement un petit peu plus difficile. Tout à l'heure, quand je vous présenterai la séance du jour, vous aurez des options pour rendre le mouvement soit plus accessible, soit plus difficile. C'est maintenant qu'on les voit. C'est parti. Donc, pour rendre les squats qu'on fera tout à l'heure plus difficiles, ce qu'on va faire ce soir, c'est des jump squats. La mécanique du mouvement reste la même à la descente. J'envoie les fessiers vers l'arrière, je descends, je casse la parallèle, je remonte. Mais là, dans la remontée, on va avoir une extension violente jusqu'à venir décoller les pieds. D'accord ? Un jump squat, c'est un squat suivi d'un saut dans l'élan. C'est très important. Ce n'est pas un squat suivi d'un jump. Ça, ce n'est pas bon. C'est squat, remontée, saut dans l'élan. On va essayer d'en faire 10. Je vous invite à découper si c'est la première fois que vous en faites et je vous invite à vous arrêter si vous avez la moindre douleur au niveau du genou puisqu'il y a un léger impact, spécialement si vous le faites sur un sol dur. Si vous avez le moindre problème au genou ou sensation de gêne au niveau du genou, vous arrêtez ce mouvement tout de suite. On essaie d'en faire 10, 5 plus 5, c'est très bien. Allez, jump squat. Et 1, 2, 3, 4, 5. On fait une petite pause, on repart pour 5. Allez, et 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on a vu le jump squat. Vous pourrez tout à l'heure choisir, voire essayer de le mettre en place. Sachez simplement que sur le jump squat, si vous choisissez de le faire, il faut rester en mouvement. Pourquoi ? Parce que ce mouvement, si vous le faites un par un ou deux par deux, vous voyez que c'est pas du tout efficient. Là où le squat, vous pouvez très bien en faire un, faire une pause et repartir. Sur les jump squats, ça se fait en série. Voilà. Sur les sit-ups, aujourd'hui, on va innover un petit peu. Pour le rendre un peu plus dur, on va venir faire des Turkish sit-ups. Donc Turkish sit-up, on commence jambes tendues, légèrement écartées, en tout cas pour rendre le mouvement accessible au début. Le dos est droit, le buste fier, comme si on était bien assis dans une chaise. On n'est pas relâché, ça c'est pas bon, mon dos est tout rond, je suis tout mou, c'est pas bon. Hop, le dos bien droit, les abdos bien gainés. Puis on va tendre les bras au ciel, voilà. Vous voyez, mon corps forme un Y ou un L, en fonction de la manière dont vous voyez les choses. Mes bras vont toujours rester tendus vers le ciel. Puis, on fait un sit-up. Donc, on envoie le dos vers l'arrière. Les bras restent toujours vers le ciel.
Tête au sol. Là, les bras ne vont pas derrière, ils restent vers le ciel. Et on remonte. Bras vers le ciel. Je vous invite à essayer. Si c'est trop dur, vous pouvez écarter encore plus les jambes. Si c'est trop simple, vous pouvez le faire. Jambes tendues devant, vous allez voir, c'est encore plus dur. On fait 5 répétitions, les bras toujours vers le ciel. C'est parti. Turkish sit-up. Et 1. 2. 3. 4. 5. Super. C'est un mouvement qui demande énormément de gainage. Si vous ne le sentez pas, si vous sentez que vous avez le dos rond et que vous êtes complètement arrondi dans votre gainage, restez sur les sit-ups classiques, c'est déjà très bien. Enfin, sur les burpees, on a vu les false burpees. Pour rendre le mouvement plus dur, on va faire des burpees avec un saut et un clap, qu'on appelle généralement burpee tout court. Donc, je suis debout, je vais passer poitrine au sol, je remonte, et dans la remontée, je vais avoir l'extension du corps, je saute, je clap. Si je fais le mouvement en entier, poitrine au sol, je remonte, je saute, je clap. D'accord? Dans la remontée, c'est très important, à nouveau, d'avoir le buste vers l'avant et non pas vers le sol. Trop souvent, je vois des gens qui font des burpees comme ça. Ok? Pas du tout d'extension. Or, ce qu'on veut, c'est se grandir. Une fois que je suis grandi, je saute et je clap au-dessus ou derrière la tête. On va venir faire ce type de burpees 5 fois. C'est parti. Allez. Et 1. 2. 3. 4. Et 5. Super les amis. Ça conclut notre échauffement généraliste. Ce soir, en plus de cet échauffement généraliste, on va venir faire un petit spécialiste. Donc vous aurez peut-être, mais ce n'est pas obligatoire, besoin d'une chaise, d'un tabouret, d'un bout de canapé ou d'un bout de lit. Essayez de trouver ça à proximité. Chaise, tabouret, bout de canapé ou bout de lit. Pour l'exemple, je vais me munir d'une chaise. Et ce qu'on va venir faire maintenant, c'est un échauffement pour les push-ups. On fera en renforcement spécifique ce soir. Mais avant de vous montrer le mouvement, je dois vraiment vous montrer un point important sur les push-ups. Quand je vais faire des parcours de santé, je vois souvent des gens le samedi ou le dimanche qui font des push-ups avec les coudes vers l'horizon de part et d'autre et les mains qui sont vraiment sur une seule ligne, comme ceci. Je pense que vous avez déjà vu ça. C'est pas bon. C'est pas comme ça qu'on fait des push-ups, en tout cas pas les push-ups classiques. Normalement, on a les deux pieds collés, les jambes tendues, un gainage abdominal, puis on envoie les coudes vers le torse et on peut légèrement ouvrir les mains comme sur un volant. Voilà, très important cette notion. Hop, j'ai les coudes le long du corps, les mains légèrement ouvertes. Et là, je peux pousser, fléchir, pousser. Fléchir, mes coudes restent toujours dans l'axe. D'accord? Donc ça, on oublie ce soir, les ailes de poulet. Pas avec moi, pas ce soir. Voilà, maintenant que c'est dit, donc on garde les coudes. Si vous préférez une autre image, vos coudes doivent rester scotchés à vos côtes. Si ça vous parle plus, servez-vous-en. Ce qui est important, c'est d'avoir les coudes le long du corps. Ok? On va venir se mettre au sol, les deux pieds collés, les deux genoux collés, et là on forme une planche avec son corps. Donc entre les genoux et les épaules, ça doit être tout droit. Si vous commencez votre push-up en ayant un angle ici, c'est pas bon. Donc on commence vraiment en planche, on tend les bras devant, hop, on va se mettre en place, et vous voyez, la planche elle est maintenue. Donc je commence pas les fessiers qui ressortent, comme ça, la planche est en place. Mes coudes restent le long du torse, je vais venir fléchir les coudes, le buste touche la chaise et je remonte.
Cet exemple est avec la poitrine relevée parce que c'est ce qui est le plus adaptable, le plus accessible. Si vous êtes déjà confortable, vous oubliez la chaise, vous l'enlevez et vous faites la même chose au sol. Allez, on se met en place. Les deux genoux qui touchent, notre planche en place, les mains et 5 flexions push-up. Et 1, 2, 3, 4, 5. Super. On va maintenant faire la même chose, mais avec un tempo. J'aimerais que 5 fois de suite, vous descendiez lentement et que vous remontiez avec explosivité. Lent à la descente, explosif à la remontée. On va essayer, on se met en place 5 répétitions. Allez, on se remet bien gainé et on descend lentement et on pousse. Ça fait 5, on relâche. Maintenant, on va faire exactement l'inverse. On va descendre normalement. Alors, normalement, ça ne veut pas dire se laisser tomber. C'est juste descendre normalement, rapidement, entre guillemets, et remonter tout doucement. Allez, on se met en place. On descend rapidement, on remonte lentement. 1, 2, 3. Super. Cette petite routine qu'on vient de faire de 5 push-up vitesse normale, 5 push-up tempo lent à la descente, explosif à la remontée, puis tempo normal à la descente, lent à la remontée, on va le refaire en ayant les mains au sol, puis pour celles et ceux qui arrivent, vous pouvez le refaire en ayant les pieds et les mains au sol. Allez les amis, on reste motivé, on est bientôt au bout de l'échauffement spécifique. On se remet en place, les deux genoux sont collés, les pieds à l'arrière aussi, les mains au sol, on met notre planche en place et 5 push-ups. Super. Maintenant, on va venir faire 5 push-ups, descente lente, remontée explosive. Puis on fait l'inverse, descente normale, remontée lente. Ok, c'est bien les amis. Ça conclut notre échauffement spécifique. On va maintenant se retrouver au tableau pour le briefing. Profitez-en pour boire un coup, c'est ce que je m'apprête à faire. Alors, cette séance 69, comme je vous le disais tout à l'heure, elle est constituée de deux parties. La première partie, on va venir faire du renfort avec un travail sur le tempo push-up. Push-up avec tempo, donc avec rapidité ou lenteur. On va faire 8 tours, 25 secondes de push-up, 15 secondes d'effort. Pendant les 25 secondes de push-up, 15 secondes de repos. Pendant les repos, ne faites pas l'erreur de garder les mains en contact avec le sol. Relâchez, enlevez les mains du sol, secouez un petit peu les bras. Ça, c'est mon premier conseil. Ensuite, on va alterner deux types de tempo. Sur le premier tour, il y a 8 tours, sur les premiers tours, on va faire lent à la montée, normal ou rapide à la descente. Au deuxième tour, on va faire explosif à la montée, lent à la descente.
Si vous êtes perdu, c'est exactement ce qu'on vient de faire à l'échauffement. Ne vous inquiétez pas, à chaque nouveau tour, je vous rappellerai les consignes. Lorsqu'on aura fait ça, on ira faire notre entraînement du jour. L'entraînement du jour est particulièrement court et intense, puisqu'il durera 12 minutes de travail effectif. Il y a des repos inclus, mais je ne les ai pas comptés dans le timer. On fera 5 fois 2 minutes d'effort, 30 secondes de repos. Dans chaque tour de 2 minutes, on ira faire 20 squats, 10 sit-ups, et dans le temps restant, on fera un maximum de burpees. Votre score ce soir, ce sera le nombre de burpees accumulés au bout des 5 tours. Ça, c'est pour la version accessible à tout public. Pour celles et ceux qui le souhaitent, c'est pas obligatoire, mais pour celles et ceux qui aimeraient avoir un défi supplémentaire, on va venir faire 20 squats jump, 10 Turkish sit-up et toujours un maximum de burpees. Le score encore est l'accumulé des burpees sur les 5 tours. Sur cet effort-là, les amis, c'est court. Donc il y a 10 minutes d'effort réel et il y a 2 minutes de repos incluses. C'est pas très compliqué, il faut y aller. Voilà, 10 minutes, c'est vraiment court, spécialement quand on met des repos au milieu. Donc donnez-vous dès le premier tour. Là, normalement, je vous dis d'y aller lentement et d'accélérer. Là, dès le premier tour, il faut essayer de grappiller un maximum de burpees. Vous pourrez souffler sur les squats, entre guillemets, et souffler sur les sit-ups. Par contre, sur les burpees, ne traînez pas. Ce n'est pas le moment de venir regarder le plafond, regarder votre bouteille d'eau. Il faut bouger. On garde la bouteille d'eau pour les 30 secondes. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Je y reviendrai avec plaisir. On va maintenant commencer les tempo push-up. Donc sur les tempo push-up, vous avez trois options. Soit vous pouvez les faire en ayant la poitrine surélevée avec une chaise, un tabouret, un canapé ou un lit. Soit vous pouvez les faire genoux au sol, main au sol. Soit vous pouvez les faire pieds au sol, main au sol. Moi, je vais choisir de les faire sur pieds et mains. Mais dès que je sens que ça devient trop dur, je passerai sur genoux et mains. Donc ne soyez pas surpris si vous me voyez passer sur les genoux. C'est un effort qui demande beaucoup de contrôle et donc ça va créer beaucoup de congestion au niveau des épaules, des biceps et surtout des triceps. Donc ne soyez pas trop fixé sur une position. Si ça devient trop dur, vous rendez la chose plus simple. Voilà. Sans plus attendre, on boit un coup et on est parti dans 30-40 secondes. Allez les amis, on met le chrono en place, donc il sera derrière moi. Lorsque j'appuie dessus, on aura 15 secondes pour se mettre en place. Je vous rappelle que le premier tour, c'est lent à la montée, rapide à la descente. On est parti dans 15 secondes. Allez, on se met en place. Donc là, la descente va être rapide et la montée lente. 3, 2, 1, c'est parti. C'était notre premier passage, donc je vous invite à adopter cette position, relâcher un petit peu. On se remet en place, lent à la descente, explosif à la remontée. C'est reparti. On est à 2 tours sur 8. Allez, on va revenir sur rapide à la descente, lent à la montée. 3, 2, 1, c'est reparti.
Allez, ça fait trois tours, on tient. Prochain passage, on sera lent à la descente, explosif à la remontée. Allez, on a fait la moitié. Prochain passage, descente rapide, remontée lente et contrôlée. Allez, on souffle. 3, 2, 1, c'est reparti. Allez, 5 tours sur 8. Prochain passage, on va être lent à la descente, explosif à la remontée. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, 6 tours sur 8, il nous reste un dernier passage de chaque. Allez, je sais que ça congestionne, je sais que ça devient très dur, c'est normal. Prochain passage, rapide à la descente, lent à la montée. Allez, il nous reste notre dernier passage, lent à la descente, explosif à la remontée. Allez, 25 secondes d'effort. 3, 2, 1, c'est reparti. Hey, très bien les amis. Ok, on a fini notre renfo pour ce soir. Bravo, buvez un coup. Et pendant que vous buvez un coup, je vous remontre l'entraînement du jour, ou plutôt du soir qu'on va faire maintenant. Donc, 5 fois 2 minutes d'effort, 30 secondes de repos. On va venir faire 20 squats ou jump squats. On va venir faire 10 sit-ups ou Turkish sit-ups. Et on finira par un maximum de burpees. À la fin de chaque tour, j'aimerais que vous et moi aussi écriviez votre score dans le chat. Donc si vous avez fait 10 burpees au premier tour, hop, on va dans le chat, on écrit 10. Rien de plus. Ok? Ça nous permettra de faire les comptes à la fin. Vous pouvez aussi prendre un petit post-it et le noter et l'écrire à la fin de l'entraînement. Ça marche aussi. Puisqu'à la fin de l'entraînement, je vous demanderai le total de vos burpees. Allez, on jette un dernier coup d'œil au tableau pour être sûr. 5 fois 2 minutes d'effort, 30 secondes de repos, 20 squats ou jump squats, 10 sit-up ou Turkish sit-up. Et dans le temps restant, un maximum de burpees. On boit un coup. J'arrêterai pas de vous le dire parce qu'aujourd'hui il fait beaucoup, enfin il fait très chaud.
Et avant de partir, je vous redis le conseil que je vous ai donné tout à l'heure. Mettez de l'intensité dès le premier tour. Sinon, vous serez un petit peu trop tard au départ. Vous ne rentrerez pas dans l'effort, donc là, il faut y aller. Allez, les amis. Cœur de séance de la séance 69. On est parti dans 15 secondes. Bon entraînement à tous. Pensez bien à garder le score en tête, c'est-à-dire votre nombre de burpees, et à l'écrire dans le chat. C'est parti dans 15 secondes. Allez, on commence par 20 squats ou jump squats. 3, 2, 1, c'est parti. Puis 10 sit-up ou Turkish sit-up. Et dans le temps restant, maximum de burpees. Allez, 30 secondes. Et repos. J'ai fait 16 burpees, j'ai donc noté 16 dans le chat. Et on souffle. On est reparti dans 5 secondes. 3, 2, 1, c'est reparti. Thank you.
de faire. Ok, j'ai fait 17 burpees. Je note 17. Là, les amis, on souffle. C'est bien, Laetitia. Allez, on tient le rythme. Troisième tour. 3, 2, 1, allez. Trois tours de fait, les amis. J'ai fait 17 burpees à nouveau. C'est bien là, Laetitia. Laetitia qui tient 16 burpees, deux tours de suite. C'est super, on continue. Allez, les amis, plus que deux tours. On tient, on s'accroche. On est parti dans 5 secondes. 3, 2, 1, allez. Thank you.
4 tours de fait. Je fais 16 burpees. Donc je descends d'une rep. Ça commence à être dur. Bravo Laetitia qui tient 16 toujours. Allez, 10 secondes, dernier tour. Le dernier tour, vous savez, on met tout. On met toutes nos forces. On est reparti dans 3, 2, 1. Allez. Allez, dernière minute. Bravo tout le monde, 5 tours, on a terminé pour ce soir. Ouh. Allez, on souffle. Et on note le score. Donc, ce dernier tour, j'ai fait 18 burpees. Donc, je suis allé chercher une répétition de plus que d'habitude. Si on regarde les scores de Laetitia qu'il a fait avec nous, Laetitia fait 16, 16, 16, 16 toujours et 17 au dernier. Bravo Laetitia, très belle gestion du temps, il n'y a rien à dire. Ouh. Allez, on débrief ensemble les amis. Donc, c'était notre séance 69 qui était constituée de 7 minutes de renfo tempo push-up et 12 minutes d'entraînement avec des squats, des burpees et des sit-up. Ou nouveauté ce soir, Turkish sit-up. Alors, je découvre les scores de Max qui fait 69 au total, d'Alexandre qui fait 62 au total avec 13, 13, 13, 12, 11. Pour Alexandre, ça descend doucement. Chloé, régulière, une vraie horloge, 13, 13, 13, 13 à chaque tour, 65 au total. Alors je fais rapidement le calcul pour moi, les amis. Donc je fais 16 plus 17 plus 17 plus 16 plus 18 qui fait 84. Donc 84 burpees au total. C'est bien ça. Eh bien écoutez, bravo à tous. Je félicite votre régularité. Noémie fait 73 burpees. Étienne en fait 18. C'est bien Étienne, accroche-toi. Les premiers burpees, ils sont durs. Les premiers squats, ils sont durs.
Donc ça va rentrer en pratiquant. Sois le bienvenu. Ok, bah écoutez, c'est bien ça tout le monde. Félicitations. Laetitia, total 81. Écoutez, bravo. Moi, je suis en sueur. Et je pense que vous aussi. Donc buvez de l'eau. Prenez une bonne douche froide après cet entraînement. Si vous avez apprécié cette séance avec moi, n'hésitez pas à rajouter le petit pouce, le petit j'aime sur Facebook, Instagram, YouTube. On se retrouve mercredi soir à 18h45 pour une séance toujours avec notre eau et toujours sans matériel. Pour information, il n'y aura pas de séance jeudi soir. Donc la prochaine et seule séance de la semaine, ce sera mercredi 18h45. Merci à toutes celles et ceux qui ont suivi ce live. Merci Alexandre, Laetitia, merci Chloé, merci Max. Je crois que j'ai fait le tour. Merci à toutes les personnes qui font cette séance en replay. Pensez à indiquer aussi votre score, même si vous l'avez fait en replay. Et on se retrouve mercredi soir, 18h45. Bonne soirée à tous et à après-demain. Ciao!